de mon livre qui est une réédition de mon tome 1 et euh, annonce de mise en place de consultations individuelles c'est l'objet de cette vidéo bien plus rapidement que prévu puisqu'on m'avait dit pour cet été j'ai reçu mon, ma commande de livre de manière assez surprenante donc je vous annonce la je vous en parler, je vous annonce le retour du tome 1 et la mise en place de consultations individuelles. Et je vais vous expliquer un peu plus ce qu'il en est dans cette vidéo après le générique. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de commencer, simplement, j'aimerais rappeler aux personnes qui apprécient ce travail que je transmets sur la chaîne et qui souhaitent le soutenir, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez, euh, hormis les manières habituelles de commenter, liker, partager. Ça, c'est vous qui voyez. Vous partagez si ça vous plaît. Vous likez si ça vous plaît. Simplement. J'ai mis en place des formations donc je vous offre le premier module ici, qui est l'introduction, qui présente tous les aspects de la formation que j'aborde, que j'ai voulu à un prix très abordable. Donc, c'est une manière de soutenir la chaîne et d'entrer dans une compréhension très profonde et très complète, quasi exhaustive de l'énéagramme, parce que si vous avez compris tout ça, le reste ne fait que s'articuler dessus. C'est une, une conséquence secondaire de la compréhension globale de l'énéagramme des neuf types et de tous les types. Vous pouvez aussi adhérer à la chaîne sur le bouton Rejoindre que vous voyez sur l'écran avec différents niveaux. Un niveau premier, un niveau intermédiaire et un niveau supérieur, membre fondateur. Ça permet de soutenir euh, ce travail en compensant les charges que ça implique. Charges qui sont de plus en plus lourdes. Et vous pouvez acheter les livres. Donc, le livre, tome 1, tome 2. Qui à la base était un seul et même livre, mais beaucoup trop volumineux, mais qui était constitué de deux grandes parties, donc que j'ai spontanément divisé en deux tomes. Donc j'ai la joie de vous annoncer le retour de mon livre. J'ai reçu les cartons ce matin. Le tome 1, voilà, dans le bon sens, l'énéagramme de la connaissance de soi à la réalisation de soi. Tome 1, Œuvre noire pour une approche intégrative de la voie initiatique et toujours le tome 2 qui est disponible qui est l'aspect plus alchimique, plus ésotérique on pourrait dire de l'énéagramme. Ce livre, ces livres sont la synthèse de ma compréhension de mon exploration intérieure et intellectuel de l'énéagramme dans toutes ses dimensions. Dimension exotérique, les neuf types. Dimension ésotérique, l'aspect alchimique, l'aspect de développement essentiel ou d'éveil intérieur. Et l'aspect intermédiaire, qui est bien décrit par l'approche diamant, qui fait le pont entre les deux. Qui vient faire la conciliation. Ce sont les trois œuvres alchimique, œuvre noire, œuvre blanche, œuvre rouge. Donc dans ces livres, je donne la compréhension de l'énéagramme, ses lois, qu'est-ce que la figure, et qu -ce que, quelles sont ces lois, et pourquoi l'énéagramme est aussi efficace pour décrypter à la fois le comportement psychologique d'un être humain, de tous les êtres humains, répartis dans 27 grandes catégories, 27 sous-types, au sein de neuf grandes catégories, les 9 sous-types, au sein de trois grandes catégories en fonction de l'émotion dominante qui structure notre psyché. Et comment cette figure peut expliquer de manière aussi complète et aussi détaillée, aussi profonde le fonctionnement psychologique et en même temps euh, expliquer le, le, la, le développement métaphysique de l'être humain. C'est-à-dire brosser le tableau et dessiner la carte du cheminement vers l'éveil intérieur, vers l'éveil à sa véritable nature. Je vous renvoie vers la vidéo ici ou si ça n'apparaît pas, elle sera dans la description, comme les autres, pour vous faire une idée de ce que je propose dans ce livre. J'explore je, simplement la table des matières, qui est assez dense, assez complète, et qui donne une bonne idée de ce qui est abordé dans ces deux tomes. Pour le commander, c'est très simple. La, la, les modalités sont dans la description. Simplement, il y a... Trois possibilités, acheter seulement le tome 1 avec les frais de port, le tome 2 avec les frais de port ou les deux tomes avec des frais de port supérieurs évidemment, mais moins cher que si on achète séparément, évidemment. Donc vous avez un lien de paiement, un lien stripe, vous cliquez sur le lien, ça vous envoie sur le paiement, vous rentrez vos coordonnées et moi je reçois votre adresse et je vous l'envoie euh, dès que possible. Sachant qu'il y a pas mal de personnes sur liste d'attente, donc je vais déjà favoriser ces envois-là. Et ensuite, dans le courant de la semaine, j'enverrai les éventuelles nouvelles commandes. En fait, ce livre, c'est ce qui sert de support aux vidéos. Simplement, j'approche un peu différemment dans les vidéos. Et puis, euh, c'est une chose que d'avoir un livre à portée de main tout le temps, qu'on peut lire, relire, changer de page, revenir. Et puis, sous forme de vidéos séparées, euh, qui durent parfois trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie, sachez que tout ce qui est dans le livre va progressivement, dans le courant des deux ans à venir, être publié sur la chaîne. En tout cas, une majeure partie. Je ne peux pas tout publier. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent se comprendre et se, se vivre qu'après un cheminement d'avoir lu tout le livre. Donc pour les personnes qui vont regarder toutes les vidéos, il n'y aurait pas de problème. Mais pour les personnes qui prennent une vidéo par-ci par-là, ça me gêne un petit peu. Ça risque d'être contre-productif. Voilà. En général, je dédicace spontanément les livres. Si vous ne voulez pas de dédicace, vous me le mettez par mail. Il y aura mon mail de toute façon dans les dans la description. Donc euh, voilà. Sinon je risque de vous dédicacer et peut-être que certaines personnes n'aiment pas avoir euh, de dédicace ou d'écriture sur leur livre. Donc voilà, tome 1, à peu près un peu plus de 500 pages, 526 pages, je crois. Tome 2, un peu plus de 500 pages. Il y a 1000 pages pour vous occuper tout l'été si vous avez peur de vous ennuyer. Deuxième partie, euh, deuxième annonce, si je peux dire. J'ai refusé, enfin j'ai refusé, j'étais assez réticent à accepter des consultations individuelles, plusieurs d'entre vous m'en ont demandé. Pourquoi Ce n'est pas du tout une question budgétaire, c'est que c'est effectivement chronophage d'une première partie, et en plus c'est beaucoup moins efficace de ce que j'ai pu expérimenter qu'un travail en groupe. C'est pourquoi j'ai proposé plutôt des groupes en ligne avec un prix plus accessible. Mais certaines personnes ne sont pas du tout disponibles par leur rythme de travail, par leur éloignement géographique, euh, donc j'ai fini par accepter des consultations individuelles, sachant que, comme je l'ai déjà expliqué, ça m'arrive d'accepter dans des moments particuliers, des circonstances particulières, quelqu'un qui ne peut vraiment pas faire ce travail pour diverses raisons, et surtout des personnes qui traversent des moments particuliers, des moments difficiles et qui ont besoin d'un soutien ponctuel. Je ne préconise pas un accompagnement au long cours, mais plutôt des séances ponctuelles, si vous en éprouvez un besoin. Voilà. Après, il faut voir comment ça évolue dans le travail. Mais j'ai fini là, cette semaine, par accepter euh, la première consultation individuelle. Donc, pour que je ne peux pas accepter dans certains cas et refuser aux autres. Donc, je, voilà, je, je lance l'annonce. C'est vous qui voyez. Mais vraiment, je pense que le travail en groupe est toujours beaucoup plus opérationnel. Mais que le travail individuel, tel que j'ai pu le remarquer, lorsqu'il y a quelque chose, un nœud, Quelque chose de difficile, un cap qu'on n'arrive pas à passer, ça peut donner un coup de pouce. C'est dans cet esprit-là que je propose des consultations. Voilà, et non pas pour un suivi thérapeutique. Je ne suis pas thérapeute, mais même pas forcément pour un suivi au long cours. Et je rappelle aussi que un deuxième groupe de travail est mis en place, qui a lieu le samedi matin, une fois toutes les trois semaines. Donc si vous aviez senti l'élan et que vous aviez freiné, sachez qu'il reste encore une, deux, voire trois places dans ce groupe du samedi matin. Voilà, groupe de travail en ligne qui euh, ne consiste pas en la transmission d'enseignement, mais qui consiste en un accompagnement à une exploration intérieure à travers des outils de présence à soi-même et d'observation de soi dans son quotidien. Et on revient partager en groupe nos explorations, nos difficultés, nos résistances, nos refus, les matériaux qui sont remontés. Et moi, j'éclaire simplement et j'amène éventuellement de la théorie, du sens, mais à partir de l'expérience vécue. Non pas comme un cours magistral où je transmets des choses comme sur la chaîne, mais c'est l'inverse. C'est vous qui apportez du matériau et on travaille à partir de là. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt.